Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 9h20 et je suis totalement crevette. Alors, crevette de chez crevette. Riley m'a réveillée encore à 4h30. Déjà hier, elle m'a réveillée à 4h30. C'est très tôt. Très tôt. Ça fait déjà 5h que je suis réveillée, alors qu'il est que 9h30. J'ai déjà fait deux montages de vidéos et deux uploads de vidéos. Je viens de finir le montage à réel. J'ai fait mes quotidiennes sur Disney Dreamlight Valley. Enfin, voilà. Je me suis occupée des chiens. Je suis épuisée. Vraiment épuisée. Donc là, j'attends le farceur et après, je vais me coucher. Il m'amène ma colo aujourd'hui sur d'Amazon. Rien de bien passionnant. Je pensais avoir ma deuxième partie de Comanche In, mais ça n'a pas l'air. Je vérifie. Attendez. Alors, le week-end, ça n'a pas été grand-chose. Je vous montrerai demain. Parce que là, je suis vraiment crevée. Donc, j'ai fait un DIY pour Manon et ma déco de tête pour le G de gourmandise de l'Alphabet Challenge. Ouais, non, Chine, pas aujourd'hui. J'ai fait le début, enfin, j'ai presque d'ailleurs terminé ma maison qui va sur mon grand pan, ma grande déco, là. Samedi, ça a été principalement du glandage, geekage, bricolage. Voilà, attendez, hein, je me transfère mon autre fichier. Allô ? Dimanche, donc, Riley m'a téléphoné. Je suis vraiment fatiguée. M'a réveillée déjà à 4h30. Donc, à 8h, j'avais déjà tourné deux vidéos. Après, j'ai rangé un petit peu mon bureau et j'ai bien avancé dans mon rangement de bureau. Là, il me reste principalement les cartons vides à plier pour gagner un peu de place de rangement. J'ai continué mon bricolage et j'ai refait mes ongles. Je les ai faits il n'y a pas longtemps. Hein. Vous avez eu la vidéo lundi, vous, mais moi, je les ai tournés quelques jours avant de refaire ceci. Mais j'ai vu un nail art, je vous mets le réel en barre d'infos. Je le note pour pas oublier. D'ailleurs, je me suis abonné à la personne là parce qu'elle a de très bons nail art. Réel oncle. Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau. J'avais jamais fait la technique du marble comme ça, avec, mélanger et puis mettre au pinceau. Et le rendu, j'aime. Beaucoup, beaucoup. Voilà, je trouve ça très joli. Totalement de saison et c'est le genre vraiment de nail art que j'adore. Bien sûr, moi j'ai rajouté des paillettes par rapport à ce qu'elle a fait, puisqu'on n'a jamais trop de paillettes dans la vie. Hein. J'aurais dû me marier avec Kevin. Ouais, c'est dur quand je suis fatiguée comme ça, c'est vraiment très dur. Bref, voilà pour mon petit week-end. Ça a été pas grand chose hier. Normalement, je devais aller chez mon frère. Parce que c'est lui qui a reçu les colliers des chiens. Hein. J'ai été obligée de faire livrer en France avec Amazon France. Je ne les trouvais pas sur Amazon Belgique et je ne pouvais pas les faire livrer chez moi. Donc je les ai fait livrer chez lui. Après, je les commande qu'une fois par an, donc c'est pas très grave. Et du coup, hier, on devait passer. Donc j'ai attendu quand même tout le week-end qu'il a reçu les colliers jeudi. Il m'a répondu vendredi. Ah oui, j'ai reçu ton colis. Oui, je te dis quand est-ce qu'on est dispo ce week-end. Riley, Phil, je suis occupée. C'est quoi que t'as là? Attends, viens. Non, c'était une crasse. Et donc, samedi, on voulait vraiment pas bouger. On voulait rester à la maison vraiment tranquille. Parce qu'on a eu un week-end très chargé là, le week-end passé. Et j'avais dit... Combien j'en ai fait bailler là? J'avais dit à mon frère, on passera donc dimanche, comme ça on boit juste un café ou un apéro suivant l'heure. Mais j'y entraînera pas parce qu'on a vraiment envie de, bah, d'être au calme à la maison, tranquille. Quoi. Et puis, toujours pas de nouvelles. Dimanche midi, j'avais toujours pas de nouvelles de mon frère qui m'avait dit qu'il allait me dire quand est-ce qu'on pouvait passer. Donc à 2h, ouais. Donc j'ai été à la sieste et après ma sieste, je l'ai appelé.
Et je dis, on peut passer? Et puis il me dit, ah merde! Il dit, bah là, on va faire un tour à la fête à Longwy. Il dit, soit je te téléphone après quand on rentre, soit je passe te les déposer quand on rentre. Je l'attends toujours. Voilà, ça c'est mon frère. Un vrai ministre. Donc voilà, bon, il va certainement passer me les déposer aujourd'hui après son boulot. Heureusement qu'il habite à 900 mètres. Mais oui, il va certainement passer me les déposer en rentrant du boulot tantôt. Parce que j'aimerais bien les mettre aux chiens, parce qu'on a déjà enlevé deux tiques sur Ryan et une sur la petite. Donc voilà, ce ne serait pas le moment qu'elle se chope quelque chose non plus. Hein, surtout que les histoires de tiques, là, c'est quand même assez rapide. D'ailleurs, Manon ne connaissait pas les symptômes. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit dans le dernier vlog. Bref, je vais le répéter parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Mais de toute façon, c'est pas mauvais de vous rappeler les symptômes vu que ça va très vite. Donc en fait, la tique, quand elle pique, ça craint rien. Hein. En fait, c'est quand on l'enlève. Là, elle peut cracher son venin. C'est pour ça qu'il vous faut les tiques tourniquettes, là. Les tiques. Les pinces à tiques tourniquettes, là. Vous savez que vous tournez, vous glissez la pince en dessous du tique et vous tournez. C'est pour éviter, justement, qu'ils crachent leur venin, qui cause une anémie chez le chien. Et du coup, en 24-48 heures, ils peuvent mourir. On a perdu un chien à cause de ça, parce qu'on ignorait vraiment les symptômes. Ma petite Jaya, mon bouvet bernois qu'on avait il y a plusieurs années, ben avant Ryan, qui avait connu Lilou d'ailleurs. Donc il commence par être un peu patraque, fatigué, il mange plus, et le plus gros des symptômes, donc oui, si, il me semble que je vous l'ai dit, qu'on ne pensait pas à vérifier le dernier symptôme qui est le plus parlant, si on n'avait pas, si on voyait pas les premiers, quoi. Parce qu'ils sont très faibles, vu qu'ils sont anémiés. Donc ils sont très faibles, ils ne mangent plus. Et ils font pipi orange. Voilà. Donc si vous voyez que votre chien fait pipi orange, il faut foncer chez le véto. Ils font une petite piqûre dans l'oreille, en fait. Ils prennent une goutte de sang qui passe au microscope pour voir s'il y a les microbes à l'intérieur qui bouffent les globules. Et enfin, les microbes, c'est plus une bactérie, je pense. Je ne sais pas trop si c'est un microbe, une bactérie ou un truc comme ça. Je crois que j'ai des laborantins qui me suivent, donc peut-être qu'ils pourront répondre à cette question. Et donc, ouais, il faut foncer parce que, ouais, en 24-48 heures, le chien, il meurt. Donc, voilà. Mais après, c'est juste une piqûre, hein, qui agit instantanément, quasi. Hein, donc, il faut juste se rendre compte des symptômes. Donc, on ne pense pas les vérifier la couleur de leur pipi. Non! Elle traîne mon coussin par terre, quoi. Hein? Celui qui était là. Sauf bah, si vous font pipi par terre, ça peut arranger finalement les chiots. Ça se voit vite. Mais moi, elle ne fait plus. C'est très rare que je ramasse quelque chose. Donc, les pipis, ça fait très longtemps que j'en ai pas ramassé. Caca, ça peut arriver si jamais je vois pas qu'elle demande la porte. Parce que. Elle n'a toujours pas modifié son système de demandage de sortie. Elle se met devant la porte, elle fixe la porte et elle attend. Mais elle attend 2 minutes, quoi. Pas 2 heures. Elle attend 2 minutes. Et si on n'ouvre pas, ben. Elle fait de la cuisine. Voilà. Mais c'est quand même assez rare. Ça y est, là, il truc. Alors, je ne sais pas si je vais y ranger mon bureau aujourd'hui. Enfin, terminer de ranger mon bureau aujourd'hui. Mais faut que je range avant de pouvoir filmer. Et avant samedi que DJ vienne pour faire le live, sinon elle a même pas de place pour s'asseoir dans le bureau. Mais je vous montrerai soit tantôt, soit demain, où j'en suis. Avant de continuer, je vous remontrerai. Et je vous montrerai aussi l'avancée de mon DIY. Maintenant, il faut que j'attende mes commandes pour pouvoir terminer, vraiment mettre les arbres que j'attends d'AliExpress. Mettre les licornes que j'attends de Chine. Non, c'est AliExpress aussi. Enfin, voilà. Il faut que je vous tourne le hall pour pouvoir coller les bambis qui sont en haut. Enfin, voilà. Maintenant, je vais devoir le laisser un petit peu en suspens. Je vais juste peaufiner un petit peu la maison parce que ça, je peux faire. Les fleurs, je les ai déjà. Il faut que je leur donne un petit coup de peinture. Et voilà, je peux faire deux, trois petites babioles encore sur la maison. Mais le reste, je dois attendre. Pour la terminer, je dois attendre d'avoir tout reçu. Terminer le rangement du bureau après aussi, mais ça on fera dans un autre vlog,
vlog, une fois que j'aurai tout reçu pour vous montrer l'organisation complète de mes trucs de bricolage. Je sais que vous aimez bien. Riley, tu laisses mon coussin ! Bon, j'arrive pas à le ramasser avec le micro, sinon je vais faire tomber mon appareil. Et voilà. Il faut juste que je trouve pour faire le tour du carton, pour pas qu'on voit, vous savez, sur le côté des cartons découpés, ben, on voit les petits zigzags, là, j'aime pas. Et j'aurais pu faire une bandelette au pistolet à colle. Riley! Tu peux pas! Oui, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Ouais, ou coller un ruban, je sais pas. Enfin bref, il faut que je réfléchisse. Voilà, voilà. Ah, je vais juste vous montrer mon serre-tête gourmandise. Je vais ramasser mon coussin. Voilà, je crois que là, je serai bien dans le thème. Et normalement, il y a le petit smoothie là en plus. Comme il est un peu plus lourd et collé sur la mousse. Voilà. Ça m'a éclaté de le faire, ce truc-là. Donc ça, c'est de la bourre pour les coussins et tout ça. Et j'ai juste bombé avec du rose pâle par-dessus. Ça, c'est des bonbons en papier papier de soie. Et j'ai mis une boule de papier à l'intérieur. Ça, c'est un truc de colle avec des petits trucs alimentaires. Vous voyez, les sucettes, c'est comme ça que je les ai fait. Voilà. Et je trouve que c'est très bien dans le thème. Et que ça ira très bien avec le make-up que j'ai prévu. Il faut juste que je recolle ça. Sinon, ça fait moins joli. J'ai déjà mis un cheveu dedans. Donc voilà, je vais pouvoir recoller ça et le monter, le ranger en attendant de faire la vidéo. Moi, j'ai tourné le étoile que vous avez eu vendredi. Oh, j'ai adoré le faire. Mais vraiment, j'ai adoré. Et là, il faut que je réfléchisse pour le féerique. Le F, c'est féerique. Vous avez choisi féerique en priorité. Je suis très peu inspirée. Enfin, c'est pas que je suis pas inspirée, c'est que je l'ai tellement fait. Enfin, j'ai fait beaucoup sans ce genre-là que je sais plus quoi faire pour que ça soit différent. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Gourmandise, donc, pour le G et le H. Vous m'avez pas donné beaucoup de propositions encore, puisque je viens de faire la story ce matin à 5h30 ou 6h30. J'attends de voir. Là, ce qu'on m'a donné, je sais pas foufou. En vidéo, Manon m'a donné horloge. Ça me parle bien. Et j'ai une abonnée qui m'a dit holographique aussi. Là, j'hésite. J'aime beaucoup le thème, mais je vous ai prévu un make-up full multichrome. Donc, j'ai peur que ça fasse trop redondant. Donc voilà, ce sera à mon avis, pour l'instant, c'est horloge qui me parle le plus. Parce que j'ai Johanna qui me marque humble. Make-up avec des produits pas chers, make-up hyper simple, je sais pas. Mais make-up avec des produits pas chers, je veux dire, c'est un peu la base de la chaîne, même si j'ai des palettes qui coûtent plus cher que d'autres. Les produits en soi, j'ai rien d'extravagant. J'achète pas vraiment du luxe ou des grandes marques. Donc c'est souvent du petit prix chez moi. Émilie qui me dit Husson, le nom de son nom de famille, voilà. Animaux hybrides. Mais là, il n'y aurait que le hybride à retenir, ça fait un peu bizarre. Historique, ça m'emballe pas. Donc pour l'instant, c'est horloge qui me parle bien, voilà. Ah, le facteur vient de déposer mon colis, ce qui veut dire que je vais pouvoir aller dormir. Ouhou. Oui, il est 9h30, mais bon, moi, ça fait déjà 5 heures que je suis réveillée. Hein. Donc, voilà. Bon, écoutez, là, je vais aller voir. Après, c'est peut-être pas le colis. Hein. Je vais voir ce que mon appli me dit. Et voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai tourné un DIY aussi en vidéo. Parce que c'est un emplâtre, donc il faudra plusieurs jours. Il faut que j'attende au moins 24 heures que le plâtre soit sec pour pouvoir commencer à le pimper. Donc on verra bien. Ok, allez, sur ce, je vous reprends soit tout à l'heure si je vais ranger un petit peu mon bureau, sinon on fera ça demain. Alors il est 7h46, j'ai fait mon tas parce que je voulais filmer et finalement je refais pas bien, donc je vais pas trop filmer. Je vais filmer le haul chine puisque je reçois la deuxième partie de mon haul chine
En sachant que j'attends encore une commande, plus tous les AliExpress. Les chiens sont déjà déchaînés. Mais du coup, je vous filmerai en deux parties. Parce que ça me traîne là, j'ai envie que ça, de ranger. Donc voilà. Et je vais préparer, je vais vous montrer après. Je vais filmer ça en bas. Je vais préparer ma petite rotation. J'ai envie de restationner mes produits. Donc voilà, je vous prends juste pour vous montrer 2 minutes l'état du bureau. Parce que je vais achever certainement un petit peu tantôt. Donc je vous montre ça et ensuite je vous reprends en bras, en bas, pour vous montrer ma rotation et mes DIY où j'en suis. Donc voilà l'état ici. Donc tout ça, il faut que je trie, il faut que je plie mes cartons et tout, c'est tout ça. Il faut que je nettoie bien évidemment parce que Riley s'est amusé avec tous mes petits trucs là. Donc il y a des trucs à descendre, acheter et tout ça, mais ça je vais trier après. Mais là, ça commence déjà à être un peu plus clair. Donc je sais pas si vous voyez. Bon, ça restera, ce coin-là, il restera dans cet état-là. C'est à peu près rangé quoi. Ça fait encore bordel, mais je sais pas où mettre tout ça. On n'a pas de grenier ici, hein, et la cave est humide, donc je peux pas mettre. Là, j'ai mes tissus et là mes trucs de déco. Là, c'est des ventes vintage et des trucs comme ça. Donc voilà. Là, ça commence aussi. Ben, vous voyez pas bien. Faut que je range encore tout ce petit bordel là et que j'enlève mon plastique et que je range les cartons. Et on sera déjà pas mal, hein. Donc voilà. La petite avancée et on continuera un petit peu à ranger, je pense, tout à l'heure. Et voilà, et elle revient me piquer un truc, mais c'est pas possible. Bon, les poubelles sont passées, les chiens sont dehors, donc j'essaye de vous montrer ma rotation. Tant que c'est calme, ça va pas durer. Donc là, il est 8h30. voilà, je la filme pas en vidéo parce que j'ai pas changé énormément de produits. J'ai juste changé bronzer et blush. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, en base, enfin, quoique si, j'ai changé des produits parce que j'avais terminé les autres. J'utilise la IRL Filter, là, Skin IRL Skin Filter de chez Révolution. Voilà, parce qu'il faut que j'utilise. J'avais sorti la Catrice, mais je sais pas où je l'ai foutu. Je l'ai paumé, je sais pas. En rangeant le bureau, je vais peut-être la retrouver. En fond de teint, j'ai ressorti un Catrice True Skin. Voilà. Je fais par quantité dans mon backup en fait. Pour j'utilise un pilote, puis un pilote. Donc je commence par celui que j'en ai le plus. Anti-cerne, c'est toujours celui-ci pour l'instant. Fixateur, c'est toujours celui-ci pour l'instant. Mais il se termine pas le super fixe là. Franchement, là, il vaut son prix. Hein. J'en suis bien contente de ce fixateur. Merci. Fond de teint peau, toujours le Révolution pour l'instant que j'ai presque terminé. Je sais pas si vous allez voir. Donc après, j'ai le Catrice que j'ai testé et je vais recevoir aujourd'hui le Shi Glam, donc je vais tourner la vidéo aussi, probablement demain pour moi, je ne sais pas encore. Et du coup, j'aurai celui-là aussi à utiliser avant de réutiliser un Catrice. Toujours le bronzer crème de chez Glam Shop que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Alors celui-là est presque terminé. Franchement, je l'aime beaucoup. Sauf que ben voilà, c'est pas le genre de produit que je rachète. Je les utilise quand j'en ai, mais je rachète pas quand j'en ai pas, parce que c'est pas indispensable. Par contre, le blush, je l'aime pas trop. Je crois que je vais pas le garder. Je peux pas le mettre en vente parce que j'ai déjà utilisé quelques fois. Quoique, je sais pas encore, je vais voir. Mais il est trop compact pour moi. Je préfère quand c'est un peu plus crémeux. Donc du coup, j'ai sorti le D06 de chez Focalure. En plus, c'est une teinte que je préfère. Hein, voilà, c'est plus naturel. Ils sont super bons. Voilà, l'autre est vraiment rose pétant. Hein, je ne sais pas trop quoi que je vais en faire. En bronzer, donc j'avais dans la dernière rotation, j'avais mis le Misha, je crois que c'était, que j'avais eu avec Stylvana. Sauf que je l'ai réutilisé quelques fois et que je l'ai trouvé finalement trop clair par rapport à ce que je mets d'habitude. Donc je l'ai donné à Manon et j'avais ressorti le Corazona que j'adore. J'adore le Corazona. Mais là j'ai changé, j'ai ressorti le Lady de chez Catrice. Voilà, qui reste mon bronzer préféré. Il est énorme, il est pas cher. Il y a Lady dessus et dedans. Il sent bon, il a une teinte parfaite, il se travaille divinement bien. C'est vraiment topissime. J'ai oublié de vous montrer les poudres, mais pour l'instant c'est toujours la même chose. Celle à la cerise, elle diminue pas les poudres Action, c'est un truc de fou. Je suis à la moitié. La matifiée pour mon anti-cerne et mes zones de lumière. Lumière, oh là là!
En bûche, j'ai enlevé les essences avec le Roi Lion et j'ai sorti la Oh là là de chez Moira que j'aime énormément. Et en plus, ça me fait un highlighter, voilà, assez basique. 5 blushs, parfait. Il y a toutes les couleurs dedans. J'adore cette palette. Je pense que je vais la recommander pour vous, pour mettre dans le concours de Noël. Je vais la recommander dans l'année parce que je l'aime vraiment trop. En petit gadget, enfin gadget, toujours la poudre Révolution là, parce que c'est ce que j'utilise pour poudrer mon arcade sourcilière. Toujours ma base Révolution. Mon crayon, toujours de chez Shiglam pour les sourcils. Où est-ce que j'en suis? Celui-là, oh, bon, il est presque terminé, donc voilà. Après, ça sera soit un Shiglam, soit un Fuera. Voilà, c'est ce que je préfère. Le petit mascara à sourcils de chez Focalure. J'adore ce produit. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment, je pense, mon préféré quand même. Attends, mon petit baume à lèvres soda pour nettoyer mes lèvres. Pareil, j'arrive au bout. Voilà, après, j'ai une montagne de baume à lèvres. Mon plumper de chez Shiglam, j'adore, j'en ai recommandé un en backup. Et j'ai commandé le rose aussi pour pouvoir le tester. Attends, j'arrive! Chut, 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 chut. Et en highlighter, toujours ma palette Alchemist, hein, elle ne bouge pas, j'essuie de la palette Moira. Du coup, j'ai enlevé juste le rude que j'ai pas du tout utilisé. J'ai gardé celui-là. De chez Shiglam aussi, que j'aime beaucoup. Je préfère le Focalure parce qu'il envoie plus de pétouilles, mais celui-ci il est très bien. J'ai gardé le Space Age Prophecy de Kaleidos puisque je ne l'ai pas du tout utilisé déjà avec l'autre rotation. Par contre, j'ai remis le Edwige de Colourpop. Voilà. Et celui-là, je l'aime trop quoi. Il y a déjà un trou dedans. En même temps, comme il a un côté un peu crémeux. Donc voilà pour ma petite rotation. Alors je vais faire rentrer les chiens, rentrer ça, enfin rentrer la chienne, parce qu'il y a quelqu'un qui gratte, hein, l'autre il est couché au fond du jardin. Et je vais vous montrer où j'en suis avec mon DIY. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer d'un peu plus loin d'abord ce que ça va donner en gros. Voilà, bon, il faut que je fignole, hein, c'est pas terminé, hein, mais voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Donc mon petit marchepied ne me sert pas à grand-chose. Donc là, je dois attendre mes décos, notamment mes petites licornes et compagnie, mes petits canards et tout ça. Mais là, je suis en train de mettre un peu la mousse et compagnie. Je vais vous montrer sur le dernier pan. Donc ici, il y aura les petites licornes avec, je pense, ma petite figurine. Là, il faut que je peaufine. Ici, je vais mettre des petits lapins puisque j'ai mis un terrier. Il faut que je cache aussi les bordures ici. Là, c'est donc le kiosque. Donc j'ai rajouté déjà les petites marches avec le petit pont. Ici je vais mettre des petits canards et là je mettrai deux flamants roses et puis le reste je verrai. Donc voilà les détails du petit kiosque à l'intérieur. Et j'ai commencé à affiner un petit peu la maison. Donc j'ai déjà mis la mousse, les rideaux, les fleurs. Voilà. J'ai fait des petites traces avec de la peinture blanche et holographique grise, enfin métallisée. La cheminée. Ici, j'ai mis des petits paniers de fruits. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ici, je pense que je mettrai les bambis ici devant ou peut-être ici, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, j'adore le rendu. Avec une lumière à l'intérieur, ça sera super beau. Donc je mettrai une lumière, je pense, une guirlande dans la maison pour éclairer les fenêtres. Et une sur l'arbre, je pense, un truc comme ça, je verrai bien. Et là, je vais coller aussi les petites fleurs à l'intérieur des jardinières. Donc voilà. Et je me demande si je vais pas mettre une. Il faut que je vois où arrivent les fleurs parce que je pensais mettre une petite table ou quoi à l'intérieur, mais je pense qu'on les verra, on verra pas à l'intérieur avec les fleurs, donc ça sert à rien. Mais voilà, je suis très contente du rendu pour l'instant. Chérie, tu me dis, tu vas le laisser comme ça parce que ça fait un peu vide, hein? Et j'ai dit non, j'attends mes décos. Donc voilà, et de vous tourner le hall que je vais vous tourner juste après, au moins déjà pour les bambis. Et j'ai fait un petit kiosque pour Manon aussi.
Voilà, avec des petites flowers à l'intérieur. Donc là, pareil, j'attends une commande pour lui coller un petit gâteau ici. Je lui ai mis un petit renard devant parce qu'elle l'avait beaucoup aimé quand je l'ai mis sur Suite des J. Là, il y a une petite jarre avec des fleurs à l'intérieur. Un petit verre, un petit coussin sur le banc. Voilà. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un DIY avec un autre petit kiosque comme ça? Ben, dites-moi ça en commentaire et je vous ferai à ce moment-là en vidéo. Voilà. Bonjour, Gougou. Ah, en parlant de Gougou, je vais voir si les chichous sont là, tiens. Ah, ben non, ils roupillent. Hier, j'ai fait leur cage. Voilà, quoi. Je l'ai fait hier l'après-midi. Là, l'état déjà. Ils ont déjà foutu du foin partout. Et des graines. Et ils ont retourné la litière en dessous aussi. C'est du beau. C'est du beau, c'est du beau. Il m'a fallu plus d'1 heure pour la faire. Gougou? Bonjour mon gougou. Bonjour mes chouchou chouchou. Bonjour mes chouchou chouchou. On voit une petite oreille là. Oui, ils n'ont pas envie de sortir. Les titis non plus, ils font que dormir. Voilà. Bon allez, sur ce, je pense qu'on peut switcher toujours. Pourquoi dès que je me lève, tu me piques ma place? Hein? Pourquoi dès que je me lève, tu piques ma place? T'es au courant que c'est mon fauteuil, pas le tien? Tu glisses, tu vas tomber, tu roules, hein, tu roules. Oh, tu fais un gros bisou à tout le monde, c'est bien, t'es gentil. T'es gentil, t'es gentil.
Je suis un pop-corn. Donc, il est 8h10. Oui, je vous prends comme ça. J'ai envie de vous montrer ma face pop-corn. Voilà, voilà. Alors, par contre, c'est chiant ici, ça glisse tout le temps. Il est 8h10 et voilà, salut. Hier, j'ai commencé à faire le... Comment est-ce que je peux appeler ça? La maison de Mickey du petit. Voilà. Donc là, il faut que j'aille bomber la tête de la maison. Par contre, mon espace est un peu plus petit que ce que je n'avais imaginé. Mais c'est pas grave, je vais jongler autrement. Ça, c'est la base, avec la barrière et la bouboule du dessous de la maison. J'ai déjà préparé les arbres et le pied. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble la maison de Mickey. Voilà, au pire, vous verrez à peu près quand j'aurai terminé. Il faut que je fasse la main. J'ai essayé de la faire avec un de mes gants. Vous savez, les gants en latex. En le gonflant, mais ça n'allait pas pour mettre le papier mâché après dessus. Donc, je vais le faire avec du papier d'alu. Donc, je vais faire ça après. Achever la botte. Le chien va revenir gratter. J'arrête pas d'ouvrir la porte. Là, j'ai fermé ma clé parce qu'il m'énerve à l'ouvrir. Donc, le socle, j'ai fait, j'ai mis l'espèce de frigolite, mais vous savez, en feuille, que j'ai fait une boule que j'ai scotché et j'ai remis par-dessus le papier mâché avec les cartons d'œufs et de l'enduit. Et j'ai remis une couche d'enduit après pour le lisser un peu. Là, je vais maintenant remettre du papier mâché, mais avec de la colle et du PQ pour que ce soit blanc et plus lisse. La tête, j'ai fait, donc là c'est un bout de rouleau de PQ, j'ai fait ici, c'est avec des ballons, voilà, j'ai fait avec des ballons que j'ai gonflé de différentes tailles, donc ouais, là, les oreilles sont pas tout à fait de la même taille, mais bon, je suppose que le petit verra pas trop la différence, et j'ai remis du journal dessus avec de la colle blanche, donc là c'est de la vraie colle blanche, c'est pas celle à la farine, ça colle mieux pour ce genre de choses, c'est... un bidon comme ça que j'ai acheté sur Amazon, elle est pas mal, il y a 2 litres dedans, voilà. Après, la colle blanche à la farine, ça va bien si vous collez papier sur carton ou des choses comme ça, mais sur le plastique, je suis pas sûre que ça aurait vachement tenu. Et comme j'ai acheté celle-là pour tester mon papier mâché avec les cartons d'œufs, autant que je l'utilise, mais du coup je l'utilise que pour ce genre de choses. Et dans le papier mâché, je continue à mettre la colle à la farine. Je trouve que c'est beaucoup mieux, par contre, vous voyez. Donc, après, voilà, chacun ses recettes. On m'a demandé d'ailleurs une vidéo avec mes recettes. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, avec le papier mâché, comment je fais le papier mâché et la colle à la farine. Bon, après, c'est pas bien compliqué, mais comme ça, vous avez toutes les infos si vous voulez. Oui, il faudrait que je prévoie ça d'ailleurs. Bah écoutez, voilà, là j'avais bombé ça déjà en noir. Hier j'ai commencé à coller quelques petits gugus sur mon DIY, je vais vous montrer. Aujourd'hui je vais pas les filmer, j'aimerais bien finir mon bureau, parce que DJ vient samedi pour faire le live, donc il faudrait quand même que le bureau soit rangé. J'aimerais bien le finir, il me reste plus grand chose à ranger. On va aller refaire un petit bilan après quand j'irai commencer. Pas tout de suite, hein. Surtout que là les chiens m'énervent, donc je pense que ça sera juste après manger, le manger des chiens. Je vous referai un petit bilan de ce qui reste à faire et vous verrez tout dans le room tour, soit ce lundi-ci, soit la semaine prochaine, je sais pas, enfin ce lundi qui vient pour vous, je sais pas encore où c'est que je vais le caser. Et voilà. Donc ouais, je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis hier sur les DIY. Je vous montrerai le bilan du bureau, enfin où ce que j'en suis dans le bureau, et on pourra continuer à ranger un petit peu. Et dans un prochain vlog, quand j'aurai reçu toutes mes décos, toutes mes commandes Chine AliExpress avec toutes les décos et tout ça, on se fera un petit rangement, organisation de mes gugusseries et compagnie. Les chiens sont extrêmement, mais extrêmement chiant. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire.
Mon frère m'a amené les colliers, c'est quand qu'il est venu? Avant-hier. Il est venu à 20h, il me dit, je te dépose juste les colliers, je bois un café, puis je m'en vais, il est reporté à 10h30. Riley l'avait déjà enlevé aujourd'hui. Heureusement, comme elle bouffe tout, elle me l'a ramené. C'est ça qui est bien, parce qu'elle ramène tout à la maison. Tout ce qu'elle trouve dans le jardin, elle ramène. Donc là, elle a ramené le collier. Ryan me l'avait paumé l'année dernière dans le jardin, on l'a jamais retrouvé. Après, il est capable de l'avoir enterré. Hein. Oh, mais Titi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais Titi, Titi. Hier, j'ai fait sortir les chichous. J'ai été un petit peu avec eux dans l'enclos. Gougou ne m'a pas lâché. Il venait me faire des bisous, des gâtés. Il se mettait dans mes bras, il me sautait dessus. Il m'a pas lâché. Voilà. Bon, bah, je vais vous montrer le temps que mon masque y pose. Je vais vous montrer le DIY. Et puis après, on se retrouve en haut. J'avais rien d'autre à vous montrer. Le chien qui essaie d'ouvrir la porte, mais j'ai fermé ma clé, alors il râle. Ouais, je vous remonte mon DIY. Je vais quand même voir s'il veut vraiment rentrer ou juste faire sortir la petite. Parce qu'il gratte pour qu'elle sorte, en fait. Hein. Donc elle fait que rentrer et sortir parce qu'elle reste pas dehors. Et elle vient pleurer maintenant. T'allais pas te mouiller? Oui, t'allais pas te mouiller. Non! Vous avez vu la séance gâtée hier pendant que j'étais en train de nettoyer? Va pas manger mon truc. Oui, non, tu vas par terre. Putain, il est même dégueulassé. C'était trop mignon. Mais toujours, elle est dans les pieds, hein, toujours. Bon, allez, je vous montre ça et on se retrouve après en haut. Arrête! Donc, je suis un peu loin parce qu'il y a le pendoir à linge. J'ai collé les petits Bambi ici. J'ai mis un petit nérisson ici, un là-bas. Et j'ai juste mis les deux petits pots de fleurs ici devant. Voilà. Le reste, je vais attendre de recevoir le reste de mes décos. Je me demande si je vais pas faire un petit espace pique-nique, mais bon, je pense que j'aurai pas assez de place. Peut-être ici devant, je sais pas. Je verrai une fois que j'aurai tout reçu. Parce qu'il faut quand même, bon, il faut que ce soit décoré, mais pas non plus hyper chargé. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir. Mais voilà, je trouve que ça rend bien pour l'instant déjà. Donc, j'ai hâte de tout recevoir pour continuer. Donc, voilà où j'en suis. Quelle heure il est là? Je sais pas si j'arrive à voir l'heure ici. Attendez. Attendez. Il est 10h22. Voilà où j'en suis. J'ai quand même pas mal avancé. Donc tout ça c'est pour descendre, c'est pour jeter. Ça faut que je vois si Chéri sait m'enlever les cases à l'intérieur pour m'en servir comme coffret de rangement. J'aime bien les garder. Donc il faut que je continue à ranger tout ça. Tout ça. Mais ça va me servir d'étagère de rangement. Ici on est plutôt dans ce qu'il faut. Hein, voilà, je peux pas faire mieux. Les livres c'est des ventes vintage. J'ai pas assez de place pour ranger tout. Là, c'est tout ce qui est carton et emballage. Il faut que je range le dessus ici encore. J'aurai plus qu'à nettoyer et il faudra un jour que je retrie cette armoire là, mais pour l'instant, j'ai pas les fouets quoi. Voilà. Puis il me restera à faire les poussières, ranger là au-dessus aussi. Hop là. Faire les poussières sur mes étagères, ranger ce petit bordel là, nettoyer un peu mon bureau et on sera bon. J'ai quand même pas mal avancé, je suis contente. Voilà. Allez, on continue.
Alors, j'essaie de me centrer. Oui, je suis au téléphone. Il va être 11h. Là, je vais manger et aller me pioter. J'ai tourné deux vidéos. Il me reste à nettoyer mon bureau en haut et j'aurai fini. Je pourrai vous tourner le room tour pour vous demain. Donc, j'ai tourné deux vidéos. Le crash test. Non, c'est pas pour demain le room tour. C'est le crash test du fond de teint Shiglam. Je vous dis n'importe quoi. C'est la semaine d'après le room tour. Donc hier, chérie m'a fait goûter une glace aux brownies qu'il a acheté, je ne sais où. Je crois que c'était à l'Aldi, je ne suis pas sûre. Et pendant la nuit, je me suis réveillée en toussant. Bon, je tousse beaucoup en ce moment, je suis malade. Puis je fume beaucoup aussi, mais je suis malade. Donc je sens que ça gratte le fond de la gorge. Et je me suis réveillée parce que j'ai toussé et que j'avais un relent de goût de vomi dans la bouche. C'était affreux, mais alors affreux. J'ai Riley joue dans mes pieds avec son vieux Crocs tout dégueulasse. Donc voilà. Donc je me suis réveillée plusieurs, enfin j'ai descendu plusieurs fois sur la nuit pour prendre des cachets et changer le goût dans la bouche aussi. Voilà. J'ai entendu un chichou. Je vais peut-être vous montrer les chichous tant qu'il y en a un qui est réveillé. Ça fait longtemps que vous les avez pas vus. Et après, je vous montre, je viens de finir la maison de Mickey pour le petit. Donc là, je vous montre, voir les chichous. Est-ce qu'il y a quelqu'un de réveillé? Il y a Mémère Queenie qui est en bas, qui attend que je lui ouvre la porte pour sortir, mais elle n'a toujours pas compris que c'était pas l'heure. Riley qui va l'embêter. Ah ben voilà, elle remonte. Je vais essayer de vous la montrer rapido quand même. Bonjour Queenie. Alors attendez, je vais essayer de cadrer entre les barreaux. Bonjour ma Queenie. Riley. Bonjour ma Queenie, oh qu'est-ce que t'étais belle. Ah tu vas faire pipi, non? Tu fais quoi? Ah si elle va faire pipi, donc je vais pas vous la montrer tant qu'elle fait pipi quand même un petit peu de respect. Et au-dessus là on voit une petite oreille qui dépasse. Gougou? Luna? C'est qui? Métis bébé? Qui était Métis chouchou? Luna qui attend pour jouer avec Queenie, mais elle n'a pas compris qu'il ne jouait pas en fait. Il attaque. Hein, ma Queenie? Riley! Ça va, ma mémère Queenie? Bonjour, ma mémère. Bonjour, ma mémère. Ah, tu viens l'attaquer directement en bas. Bon, elle les embête de trop. Elle est trop jalouse quand je suis à côté de la cage et qu'elle n'est pas occupée. Donc voilà. Bon, au moins, vous avez vu un peu Queenie. Les autres. Hibernation. Et voilà ce que donne la maison de Mickey. Je suis assez contente. Alors attendez, je m'assois. Voilà, j'ai envie. Je suis assez contente du résultat. Bon, j'aurais aimé que ça soit un peu plus lisse. Mais bon, avec le papier mâché, en même temps, j'ai oublié de remettre du PQ par-dessus avec de la colle pour que ça soit un peu plus lisse. La main, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, voilà, c'est avec du papier d'alu. Et alors là, le pied est plus grand que la main, mais on s'en fout, le principe est là quand même. Et voilà, donc j'ai fait les petits arcs comme ça, c'est tout simplement en carton. J'ai collé des pompons, alors j'ai retrouvé un petit Winnie l'ourson, donc je lui ai mis avec. Le Mickey, c'était ma belle-sœur qui me l'avait donné, et là j'ai fait au pistolet à colle des têtes de Mickey que j'ai collées sur le devant de la boîte. Et franchement, je suis assez contente du rendu. Voilà, bon, normalement. Ici, il y a un toboggan que je ne sais pas mettre, j'ai pas assez de place et puis je ne sais pas trop avec quoi le faire. Et il y a des marches d'escalier normalement sur la main, mais bon, de loin, je pense que le petit verra pas trop qu'il manque quelques petits détails. J'en ai rajouté d'autres et voilà. J'espère que ça lui plaira. Donc quand je lui offrirai, je vous filmerai, je vous mettrai en story la réaction. Donc voilà, j'ai hâte de lui donner ça. J'espère que ça lui plaira pour mettre en déco dans sa chambre. Ça m'a éclaté de le faire. C'était pas évident à faire, hein, des ronds, des mains, des pieds. Mais c'était chouette à faire. Voilà. Bon, sur ce, moi, attendez, je reprends. Moi, je vais manger et aller me pieuter. Je suis exténuée. Et voilà. Demain, on est déjà. Oh, bout de cabas qui traîne sur ma face. Demain, on est déjà vendredi. Putain, la semaine est passée hyper vite. Voilà, j'espère que j'ai envoyé un message à DJ ce matin pour voir s'il n'y avait pas de changement d'horaire de nouveau pour le live samedi. Donc là, j'attends qu'elle me réponde. De toute façon,
S'il a eu lieu, vous l'avez déjà eu. J'ai de la peinture partout aussi. Là, il faut que je fasse, que j'achève de filmer aussi le DIY en plâtre. Je sais pas pour quand je voulais programmer, mais voilà. Et voilà, j'ai préparé mes accessoires pour les Alphabet Challenge. Le F, ça commence à venir, l'idée. Donc, je suis donc contente parce que j'ai vraiment bugué dessus. Et le G, je l'avais tout de suite. Donc, ça va, tout est prêt. Le H, je vais pouvoir commencer à préparer aussi ce qu'il me faut. Donc, voilà. Et puis, après en DIY, j'aimerais bien me faire une maison, genre maison en pain d'épices, mais voyez, très girly, rose avec des sucettes, des pompons et tout ça, tout ça. Le thème gourmandise m'a inspiré. J'aimerais bien en faire une pour Manon aussi. Donc, je vais voir si je fais ça maintenant. Je pense que c'est le prochain que je ferai. Puisque de toute façon, maintenant, pour finir celui-là, je dois attendre mes commandes. Pour faire fignoler les cabanes gourmandes, là, je dois aussi attendre les commandes. Donc, je pense que je vais entamer ça. Là, j'ai plus rien d'entamer d'autre en DIY. Bon, à part celui-là, mais il faut vraiment que j'attende les commandes pour terminer, pour avoir les arbres, les licornes et tout ça. Donc ouais, je pense que je vais commencer ces deux-là. J'ai envie de jouer aux Sims aussi un peu en ce moment. Disney Dreamlight Valley, j'ai presque fini. Il me reste une quête à faire pour la voie étoilée. Et puis j'aurai fini jusqu'à la prochaine marge. Jouer, essayer de revoir un peu sur Harry Potter aussi, si ça lag un peu moins. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis tellement prise dans mes DIY que j'ai plus le temps de faire autre chose. Il faut absolument que je nettoie mon bureau aussi pour pouvoir vous tourner la vidéo et puis pour qu'il soit propre pour samedi quand DGL. Après, il est pas sale, mais Riley m'a éparpillé tous mes petits chreleleux là en papier partout. Et puis bon, j'ai rangé, donc un petit coup de balai, un petit coup de mop, les poussières et puis j'aurai fini. Donc je suis déjà contente. Laver mes miroirs aussi. Faut que je pense à monter l'Instanet. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Ouais. Demain, je vous donnerai le planning. Et on clôturera. J'aurai pas grand-chose à vous dire de plus. Je pense. Il faut vraiment que j'aille me laver les mains. J'ai de la peinture partout. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, sur ce, on peut switcher deux jours. Alors, il est 9h36. Matinée très compliquée. Voilà. Georges va pas bien. Il a un tout petit moral. Et voilà. Donc bah écoutez, moi il me reste plus qu'à clôturer ce vlog. Enfin, je vais vous montrer, je vais aller nettoyer mon bureau et je vous montrerai grosso merdo avant de vous tourner la vidéo le rendu final. J'ai commandé hier des gummies donc de chez Creudvat. Je suis bien contente parce que j'ai gagné 40 balles. Je paye 50 à la place de 90 parce qu'ils étaient tous à 5 euros pièce. Mais vient de se fracasser la tête sur le bureau. Donc, du coup, j'ai recommandé 10 boîtes. Voilà. En alternant. Hein. Bah, il me restait encore des pour la nuit. Mais elle m'énerve, elle n'avait pas de trempée. Il m'en restait encore pour la nuit. Donc là, j'ai pris ongles, peau et vitamines, multivitamines, comme je prends d'habitude. Parce que j'en avais plus depuis un moment. Il m'en refaut. Là, je le sens, je suis nouveau fatiguée. Et donc là j'attends, il y a le colis qui doit arriver aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer parce que hier j'ai découvert des chaînes de DIY, donc je vous les mets en barre d'infos. Donc je vais vous filmer mon écran au téléphone, ça sera pas très très chouette à voir, mais voilà, j'ai pas le choix. Attendez, il faut que je la retrouve. Non, c'est pas celle-là. J'aurais dû les mettre à part. Crafty Ends. Donc ça, j'ai d'abord découvert sur Insta. Bon, je vous filme les deux écrans en même temps. Soyons fous.
mais ça va me donner pas mal d'idées pour des formes et tout ça. Elle fait tout sur bouteille, enfin beaucoup sur bouteille en verre, mais elle fait des superbes trucs quoi. C'est vraiment très joli. Alors elle fait tout en, comment ça s'appelle? En mastic et avec de l'argile, mais il y a moyen de trouver d'autres. Et donc c'est Crafty Hands, donc je vous mets leur chaîne en barre d'infos, hein, ceux que je vous montre. Alors ensuite, attendez parce qu'il faut que je les retrouve. Celui-ci, oh là 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 là. Ouais, regardez-moi ça. Mais regardez le travail de dingue. C'est un truc de fou. C'est super chouette. La maison de Shrek, c'est génial, quoi. Franchement, je vais m'éclater à regarder tout ça. Et je sais plus si c'est sur cette chaîne-là que j'ai vu comment ce qu'il faisait les arbres lui-même, au lieu d'acheter les arbres tout faits. Maintenant, il faut que je compare par rapport au prix, parce que je viens d'aller voir sur AliExpress, la poudre de... pour faire les trucs, c'est pas donné. Hein. Et il me semblait que j'en avais encore trouvé une autre. Comme ça, vous voyez mes abonnements en même temps. Hein, Et d'ailleurs, il y en a, je sais même pas c'est quoi. Hein. C'est certainement Georges. Ah, il me semblait que j'en avais encore un, celui qui faisait les. Ben voilà, c'est ça, je crois. Non. Mais ici, il y a des beaux trucs aussi à regarder. Non plus. Oui, des chaînes de DIY, j'en ai pas mal. Hein. Les trois quarts des chaînes, je regarde même pas, quoi. Désolé. Sacha, ça c'est de la couture, je crois. Ouais. Ça c'est de la couture. Tout le nom, c'est pas ça. Bah merde alors. Non. Alors attendez, je vais aller dans mes vidéos regarder. Historique. Attendez, on va aller directement sur sa chaîne. C'est un peu le même genre du premier que je vous ai montré, mais franchement, il y a des beaux trucs aussi. Donc, ouais, mais vous imaginez les détails qu'il y a là-dedans, c'est un truc de fou. Bon, après, forcément, c'est du matériel acheté, hein, et je crois que les fenêtres et les portes et tout ça, c'est des trucs qu'il achète, la mousse pour faire les toits et tout ça aussi. Mais il y a moyen de trouver, regardez sur une bouteille de Coca, quoi. Il y a moyen de trouver pour faire des autres trucs. Et c'est chez lui que j'ai vu comment ce qu'il faisait l'arbre ici. Mais il faut vraiment que je vois parce que la poudre qu'il utilise pour faire le feuillage là, ben c'est quand même assez cher sur AliExpress. Donc je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Parce que quand je vois que les 70 arbres, je les ai payés 15 euros. Surtout qu'en plus, il y a des frais d'envoi assez onéreux. Il me semble qu'ils sont à 2,90 € par sachet. De 30 ou 50 grammes, donc ça fait, je pense que ça revient plus cher que de les acheter déjà tout fait. Mais voilà, franchement, j'ai vu ça hier et je pense que je vais m'éclater à regarder ça, quoi. Voilà. Ah ben, tant qu'on y est, je vais vous donner le planning, comme ça après j'aurai plus qu'à vous montrer le bureau et à vous dire au revoir. Donc demain, crash test du fond de teint poudre Shiglam. Mercredi, le Disney Challenge Aladdin. Vendredi donc l'Alphabet Challenge F qui sera donc féerique et puis dimanche le vlog voilà. Le room tour sera pour le mercredi d'après, ça je vous le dis déjà, et la semaine après celle-là, donc la semaine du 8 mai, on se refait une semaine de vidéos. Comme ça je vous mets le reste de mes collections en détail, donc VSP, donc les VSP classiques, les VSP à paillettes, cat's eyes et tout ça, enfin effet. Un DIY que j'ai tourné, qu'il faut que je monte. Mon détail de tout mon backup, puisque ça vous intrigue. Pourtant, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Après, c'est vrai que ça gonfle.
l'Alphabet Challenge et je ferai certainement un live le 13. Crime peut-être bien, puisqu'on m'a demandé d'en refaire un. Donc on parlera peut-être de l'affaire du petit Grégory. Voilà. Je pense qu'on fera crime. Donc voilà, voilà. Bon. Je vais aller nettoyer mon bureau, comme ça je vous montre rapido ce que ça donne avant de rentrer dans les détails dans le room tour et de vous dire au revoir. Et voilà. Donc je vous reprends tout de suite pour vous, mais dans au moins une heure pour moi. Donc il est 11h. 11h05. Voilà que j'ai fini de nettoyer le bureau. Donc c'est en train de sécher. Donc je vais vous montrer, grosso merdo, hein, comme ça, juste un petit tour. Et vous verrez le rangement mercredi, pas qui vient, mais mercredi d'après, je crois. Voilà, c'est déjà un peu plus rangé. Forcément, il y a encore des trucs qui traînent, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de grenier, la cave, elle est humide, donc je peux rien mettre de fragile dans la cave. Dans la cave. Je suis fatiguée. Et voilà. Ben, je vous montre ça, puis on clôturera le vlog. Donc voilà, vous voyez, c'est en train de sécher. C'est déjà un petit peu plus rangé. C'est très bien comme ça. Voilà. Là, il faut que je range, enfin, que je range le bordel quand j'aurai tout reçu. Donc, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo du room tour. Et voilà. Quand on a trop de passion, ça stoppe partout. Hein. Ouais. Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine avec moi. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine qui vient pour vous. Ouais, c'est tout, je vous ai déjà donné le planning et tout. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain en vidéo. Et donc moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.